Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la playroom sur un nouvel épisode de Elite Dangerous. Et donc nous allons aller dans un système, chers amis, pour continuer le minage en compagnie de nos collecteurs. Je ne sais plus si je les ai pris dans le présent épisode, donc si je les ai pris en caméra ou hors caméra. Enfin, hors tournage ou en tournage. Quoi qu'il en soit, on va aller s'essayer à tout ça. Hop. Voilà, parfait. Apparemment, il y a un bon nombre de vaisseaux à la sortie. Donc, et au passage, je vais donc vous donner un maximum d'astuces vis-à-vis du minage. Enfin, autant que faire se peut, en tout cas. Hop. Voilà. Champ de gravité, s'il vous plaît. Merci. Donc un maximum d'astuces pour miner correctement avec les collecteurs. Donc j'ai pu en lire quelques-unes, donc surtout une qui est très intéressante hein, à ne pas négliger, qui est même je dirais essentielle, qui est donc directement imputée sur le fonctionnement des drones. Alors. C'est pas ici qu'on se rend, chers amis, on se rend un peu plus loin encore. Litres/s, c'est carrément pratique. Et c'est parti, on y retourne. Fais quand même attention à la capacité calorifique du vaisseau, donc sa capacité à créer de la chaleur et à supporter, hein, simplement. Je pense peut-être que je vais faire aussi un... Peut-être pas un tutoriel, mais au moins un... Les bases, entre guillemets, les bases de d'Elite Dangerous. Je sais pas si je le ferai avec des images de jeu, je sais pas si je le ferai avec un... Je retournerai chercher par exemple mon Sidewinder, c'est possible, hein, ce qui est fort possible. Et donc, chers amis, il nous reste encore un saut. Hop. Voilà. Et nous y sommes. Donc, nous visons donc Ugriviri. Alors, sachant que là, je ne suis pas optimisé parce que, bon, c'est un Cobra MK3, donc il est pas... Il est extrêmement polyvalent, pas du tout orienté minage. Si le minage me plaît, à vrai dire, j'ai plus l'impression que le minage me plaira plus que le commerce. Mais bon, à voir. Tout ça pour dire que si le minage me plaît, j'opterai plus pour du minage. Carte du système, ça va être mieux. J'aimerais me rendre là. Ugrivi Abelt. Pas. On va commencer par le cluster 1, tout simplement. Alors, elle est pas... Eh bah non, on va commencer par le plus proche, tout simplement. Je suis stupide là. Là, c'est moi qui fais des bêtises, chers amis. Il faut absolument qu'on commence par le plus proche. Alors. Nous y sommes presque. Je vais enfin pouvoir faire fonctionner ces collecteurs. Et vous allez voir qu'à mon avis, je les ai pas encore fait utiliser. Je les ai pas encore utilisés. Hein. Je me suis simplement renseigné sur leur fonctionnement et sur les choses à faire et à ne pas faire. J'aurais très bien pu prendre un drone prospecteur, donc qui lui irait directement piocher dans le. Bah, simplement dans l'astéroïde. Et me dire ce qu'il y a dedans. Mais ce n'est pas dans mon intérêt. Et vous allez comprendre donc ce que je souhaite faire le plus rapidement possible en fait. Bien que il est possible que je doive. Pardon. Ah non! Ah non, alors ça je peux pas me le permettre, chers amis. Ça je peux pas me le permettre. What? Je ne peux absolument pas me le permettre, chers amis. Voilà.
Pourquoi je ne peux pas me le permettre? Simplement parce que je n'ai pas de bouclier. Faut donc que je manie l'esquive avec la plus grande agilité, dextérité. Et je pense m'en être pas trop mal sorti. Bon, nous y sommes. Attention. C'est parti, on y va. Alors, premièrement, on ouvre le récupérateur. Ce qui réduit déjà notre vitesse de base. Voilà. On va s'approcher de ce qui me semble être le premier. Le premier astéroïde qu'on puisse voir. Hein. Qui me semble-t-il d'ailleurs est assez gros. Hein. Donc pas de turbo parce que j'ai le récupérateur qui est ouvert. On déploie quand même les lasers. Alors, on s'en approche doucement. Tout doucement. Forcément. Alors j'espère que vous ne l'entendez pas, chers amis. Alors, je lâche un bout. Voilà. Et plutôt que de le viser, chers amis, si je vise là actuellement le truc et que j'envoie un collecteur, il va ramasser celui-là et c'est tout. Si je fais ça, par contre. Hop, on peut le voir. Il va chercher tout ça et il le ramène. Hop. Voilà. Donc actuellement j'ai des ressources qui ne sont pas... Hop. Pardon, je vais virer la galite, qui apparemment est nulle. Mais qui apparemment est là en grande quantité. Ressources non collectées, enfin non truc. Donc apparemment, oui, elle est là. Donc, Indite aussi, c'est le coltan qui n'est pas là. Donc l'épidolite, l'uranite, je vais la virer parce qu'on est en grande quantité. Voilà. Et il repart, et ainsi de suite. J'essaie de me rapprocher quand même un petit peu pour lui réduire la durée de ressources traitées, c'est parfait. Et donc voilà comment fonctionne un drone collecteur, chers amis. C'est vrai que c'est beaucoup moins embêtant que d'aller le chercher manuellement. Et il me reste encore un truc à aller chercher. Et voilà qui est parfait. On va se diriger vers celui-là. Mince, je me trompe de bouton. Ok. Ok, si on peut juste freiner un petit peu, ce serait cool. Merci. Voilà. Et on continue notre minage comme ça, chers amis. Tout simplement. On va aller chercher un petit peu plus près nos trucs. Ressources, non. Ah ah, de l'uranite. 3%. On soupape. Alors. On récupère le reste. Hein. Voilà. Hop,
Et on a donc de l'indite sur nous, chers amis. Hop. Qu'il continue à aller chercher pour nous. Et donc, suivant la qualité de votre drone, de vos drones récupérateurs, en tout cas du module que vous avez acheté, il va durer plus ou moins longtemps, ce drone. Ah, j'ai des ressources que je n'ai pas pu... Oui, soupape. Hop, ressources traitées. Parfait. Allons sur celui-là. Ok. Approchons-nous encore un peu. Et laissons-le faire son boulot. Hop. Voilà, on aura soutiré un maximum de ce... Ah, j'ai des ressources que je ne peux pas... Oui, uranite, non. Soupape. Parfait. Bon, je ne peux plus rien soutirer, voilà. Ah, les deux, je peux pas, la Bertrandite. Donc apparemment, ça, c'est des trucs assez nazes. Apparemment qu'on trouve en grande quantité sur ce truc. Forcément. Quoi qu'il en soit, ça se passe assez bien, on va dire. Donc sur celui-ci, on n'a plus rien. Est-ce qu'on en voit d'autres, chers amis ? On va peut-être aller dans le deuxième. Ok. Alors. Ah non, attendez, il y en a là. Alors. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, je suis encore trop loin. L'aurais-je déjà fait? Je vais m'approcher encore un peu. Apparemment, oui. Bon, j'en ai vu un autre tout à l'heure. Voilà, ça devait être celui-là. Allons voir. Ah bah il y en a deux juste l'un à côté de l'autre en plus. Trois. Oh bah dis donc. Sommes-nous chanceux, chers amis? Oui, nous le sommes. Hop. Allez, dépêche-toi. Ah oui, pardon. Merci. Ah, ressources non traitées. Ah. Uranite. 1%. Ressources non traitées. Alors. Indite. Alors je pourrais, hein. Voilà, par exemple, vous voyez, toc. Deux indite déjà. Presque trois d'ailleurs. On va peut-être en avoir trois en plus.
Ah, ressources non traitées. L'uranite, 1%. Alors. Allons voir sur celui-là. Ah, ça y est, il s'est désactivé, chers amis. J'espère que c'est pas celui-là que je viens de faire, mais bon, c'est pas grave. Hop. Toujours pas à portée, hein, ça y est. Je pense que c'est celui-là que je viens de faire. Malheureusement. Comme on est plus ou moins dans le noir, c'est pas facile. On va aller sur celui-là. Appelez. Allez. Et pourquoi j'en tourne un, j'ai l'impression d'avoir 1 000 000 maintenant. Voilà. Ah, il me donne rien d'autre. Il me donne rien d'autre. Incroyable. Je sais plus. Enfin, je sais, mais je m'en rappelle plus. Non, bah je sais plus. Bla 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 bla. Tout ça, j'ai sûrement déjà vu. Peut-être pas celui-là. Ok, donc c'est pas ce bouton là. C'est pas ce bouton là non plus. Je suis en train de chercher un bouton, chers amis, ça me va, ça me, j'aime pas ça. Option, commande. Alors. Oui, c'est bon, je l'ai. Oula. Aïe. Ouais, j'aurais dû m'en douter. J'étais trop con. J'ai été trop con. Bon, est-ce que toi t'as des trucs dedans ou pas? En plus, je t'ai déjà fait. Putain. J'ai été trop con, chers amis. Ah, nom de Dieu. Bon. En plus, il y a un putain de tracteur qui passe dans ma rue. T'as une planète dans le coin. 874 aisselles. C'est sérieux? Bon, on va aller là. En tout cas, j'espère que vous avez compris, chers amis, les différents systèmes. Donc, du minage. Ne pas viser un ne pas, surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. Viser un comment que ça s'appelle? Un échantillon. Surtout pas viser un échantillon.
si vous voulez utiliser un drone de collecteur, donc un collecteur, ne surtout pas utiliser un échantillon, viser un échantillon et utiliser sur le collecteur. Si vous verrouillez l'échantillon, vous utilisez le collecteur, il va aller chercher cet échantillon-là précisément et ne et être gaspillé juste après l'avoir utilisé. Voilà. Voilà, voilà. Bon, je pense qu'on peut accélérer. Voilà. Parce que 874 SL, ça va nous faire un petit bout de route quand même. Alors, sachant qu'on a 64% de nos points de vie, c'est pas top. C'est pas top du tout. Mais bon. On verra bien. On verra bien. Oh putain. Et après, pour l'instant, je sais que ça va pas me rapporter des masses, hein, ce système, ce minage. Deux d'indites. Peut-être regarder vite fait sur Google après, derrière, hein, les meilleurs endroits pour miner, puis je vous redirai tout ça. Oula. Je dégomme le micro, ça va pas. Donc voilà, chers amis. Alors je sais que alors CQC ou QCQ, je sais plus. Donc c'est l'espèce de mode deathmatch de Deadly Dangerous est sorti en tout cas en stress test aujourd'hui. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse. Pour moi, ça va à contrario avec le principe de base du jeu qui était l'espace. En elle-même, le vide, à la fois vide et rempli de choses inconnues. Là, se coltiner dans une petite arène et s'amuser à shooter jusqu'à ce qu'il y ait tant de morts de fait d'un côté, tant de morts de fait de l'autre côté. Personnellement, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est pas vraiment ce qui va avec le jeu. C'est un peu comme pour MGS. Je suis pas extrêmement intéressé par le fait de devoir me balader, d'éviter le combat en fait. Donc voilà. Bon, si vous voulez en voir, dites-le moi, j'en ferai peut-être une vidéo ou deux. Qui sait, ça se trouve, ça pourrait me plaire, mais je pense pas, hein, c'est pas vraiment ce qui me fascine le plus. Donc on verra bien. On verra bien, surtout que ça n'apporte rien en plus à ce mode-là de jeu. Donc bon, pas top. J'espère que vous n'entendez pas la tronçonneuse du voisin. Celle qui va sûrement se prendre dans le bide un jour, hein. On ne dira pas que c'est moi, vous ne direz rien, je vous fais confiance, chers amis. Motus et bouche cousue. Alors. En approche. Je serais curieux d'aller voir après, vous savez qu'on peut atterrir n'importe où dans ce genre d'endroit, dans ce genre d'anneau. De voir si on peut pas les miner dedans, mais normalement ça va être que de la pierre, de la pierre, de la pierre, de la pierre, je pense. Alors, on y est presque. On booste un petit coup. Crac ! Voilà ! Alors. Paras désactivé, parfait. Elle tourne dans ce sens là, du coup on est vraiment pas dans le bon sens du tout. Donc c'est là-bas. Juste pour voir mes modules, ils en sont où? Bah ça va, mes modules en fait ils sont en pleine forme. C'est juste l'intégrité de ma coque qui est pas en forme quoi. Alors surtout on pense à... non. Ah, il y a un copieur. Oula. Alors, la 31, ça c'est la 13. La 31 est juste là. Parfait. On y va. Hop les... Eh, c'est pas beau ça? C'est pas beau ça, chers amis? Bon.
Juste pour voir, on va voir s'ils peuvent prendre. Alors déjà, nos réparations, on en a pour 400, 500. Donc 600 avec le plein. Marché. Allons voir. Hein. Alors moi, j'ai de l'indite. Je me fais 4000 crédits. Wouhou, c'est la joie. C'est la fête. C'est la fête, chers amis. Moi, je vais simplement aller voir aussi au niveau de l'équipement. Au niveau de cette raffinerie B2. Est-ce que je peux pas avoir, par exemple, hop, je reprends type de module, pardon. Raffinerie B2. Voilà. A2, c'est quoi la différence? Comparer. Ben d'une raffinerie 6. Voilà. Et écoute. 1 million. Nom de Dieu, sa mère la catin. D'accord. Bon, ok, très bien. Bon, bah écoutez les amis, sur cette révélation fracassante qu'on va se laisser, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, on peut retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. C'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens. Et yop.